organisation mise en place que ce soit sur le plan mondial ne peut donner la solution à l'humanité. Il n'y a que l'Église seule. C'est pour cela Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il a dit qu'il va bâtir son Église. Parce qu'il sait que l'humanité sera dans un besoin et continuera d'être dans le besoin. Quand il a bâti son Église, en se donnant, la Bible déclare qu'après avoir exercé son ministère, écoutez-moi sur le moi, hein, votre pasteur, c'est un excellent prédicateur. Donc, moi, je suis, j'ai pour moi, je suis en train de faire. Comprenez un peu. Voilà. Le ministère de l'information ne peut pas prendre une cigarette sereine pour aller piquer quelqu'un. Il faut un ministre, il faut au moins un. Voilà. Le ministère de la Santé qui peut dire à un docteur, viens. Alléluia. Donc, alors, il dit, je bâtirai mon église et dans les. Et quand il est mort, ressuscité, l'œuvre devait continuer. Alléluia. L'œuvre devait continuer. Alors, dans le livre d'Éphésiens, que nous allons lire, Éphésiens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 1, à partir du verset 12. Et après ça, nous allons laisser l'Esprit de Dieu encore se manifester. Éphésiens 4, 12, c'est très simple, vous avez l'habitude de lire ça. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es utile pour ta communauté. Je suis utile pour ma communauté. Mon ministère est utile pour ma communauté. Mon ministère est utile pour ma communauté. Ton ministère est utile pour la communauté. Mon ministère est utile pour la communauté. Éphésiens